Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai créé la maison d'édition Lilo avec mon mari qui s'appelle Laurent. Donc le lit pour Lydie, le lot pour Laurent. En 2009, en fait, il avait un recueil complet de nouvelles dans son tiroir dont je suis tombée dessus par hasard. Et il m'a dit, ok, je veux bien le publier, mais on le fait nous-mêmes. Donc voilà comment est née la maison d'édition Lilo. Depuis, on s'est spécialisé dans des recueils de nouvelles, essentiellement de nouvelles. Donc j'ai des recueils collectifs avec une quinzaine d'auteurs trouvés par hasard ou par les réseaux sociaux. Après j'ai des recueils individuels où c'est un seul auteur avec plusieurs nouvelles du même auteur. Et la dernière collection s'appelle Momentané où c'est un auteur mais un seul récit court en fait. Et j'ai changé le format, j'ai fait un peu plus grand. Alors les couvertures sont faites par nous-mêmes aussi, donc c'est des... On essaie d'avoir une fluidité dans les couvertures, que ce soit un dessin plutôt flou et assez coloré, assez joyeux, pas trop blanc, triste, fadasse. Je travaille avec une trentaine d'auteurs donc à ce jour. Je fais aussi un petit magazine d'information que je distribue à chaque salon ou par la poste à tous mes lecteurs pour les informer des derniers ouvrages sortis. Et j'essaie de faire 2-3 salons par année. C'est là où je suis le plus proche des lecteurs. Mes auteurs viennent dédicacer régulièrement. Au niveau de la diffusion, les libraires n'aiment pas les nouvelles, donc ça ne marche absolument pas. Donc c'est vraiment par mon site internet, donc éditionlilo.com, que je fais le maximum de profit. Voilà. Alors la première collection, c'est la collection individuelle. Donc c'est un auteur avec plusieurs nouvelles. Donc celui-ci, Dominique Deliège, qui a été publié chez Gallimard. C'est un peu ma marraine, c'est grâce à elle que j'ai lancé la maison d'édition. Et c'est un ouvrage qu'elle a écrit pour son fils. Donc dans ces 7 nouvelles, il y en a une qui est fausse, sinon les restes sont vrais. Donc c'était un petit jeu qu'elle faisait pour Noël pour son fils. Donc première collection. La deuxième collection sont les recueils collectifs. Donc là, en général, je tourne avec 15 auteurs. Et chacun écrit dans son style. Il y a des fantastiques, des drôles, des tristes, des courtes et des longues. Il n'y a pas de ligne éditoriale précise par rapport à ça. Tout ce que je veux, c'est un beau mélange, que chacun ait la chance de trouver un auteur qui va leur plaire. Et pour celui-là, en fait, là, ils ont écrit des recettes, des gourmandises, dans des histoires de gourmandises espiègles. Et la surprise, c'est que du coup, je leur ai demandé d'écrire des recettes littéraires. Donc c'est un petit plus qui est lié à ce recueil-ci. Et on a essayé de faire un format plus grand, plus brillant, donc c'est la collection momentanée. Et c'est un auteur et une seule nouvelle ou un récit. Voilà pour l'instant mes trois collections.